Hello les petits caraxiens, on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. On va descendre au potager, faire un petit tour. Eh oui, bonne vidéo. Ruby, j'aimerais bien aller faire la vidéo pour les abonnés. Ruby, Ruby, Ruby. Ah, Ruby, tu sais qu'on doit faire une vidéo potager. Ruby, laisse vivre ton maître. Non. Non. Oh, quelle tristesse. Bon, Ruby, je peux aller au potager? D'accord. Qu'est-ce que je peux faire quand il y a des comportements comme ça? Quand on voit une petite chatte qui empêche son papa d'aller travailler? Eh oui, c'est mon travail, youtubeur. Est-ce qu'elle est très mignonne? Elle est très mignonne. La Ruby d'amour à son papa. Allez, on descend au potager. Oui, le copain âgé, c'est bon. On va pas la faire 36 000 fois, celle-là aussi, hein. Bon. Pendant que j'y suis, alors je suis bien brassé, j'ai été super malade. Pourquoi j'ai été super malade? À cause d'eux là. Les flambis. Ouais, eh ben. C'était très violent, les amis, hein. Oh ben moi, ça me fait pas rire. J'étais malade et puis c'est tout, voilà. Alors ici au potager, ça a bien bougé, les amis. Parce qu'il a plu en fait et les températures remontent. Oui, l'été arrive. Oh, ça va être agréable. Oh là là. Alors moi j'aime pas trop l'hiver. Regardez, ça c'est côté chambre d'hôte, je vous montre. C'est peut-être un petit peu moins joli, mais ça pousse, ça pousse. Bah, avec la pluie, 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 soleil, de la bonne terre, tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà. C'est plutôt très joli. Et puis il y a les roses ici. Les roses, moi, elles me font rêver, ces roses. Oh là là, la pluie les a un petit peu abîmées, mais elles sont superbes. Elles sont superbes, 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 superbes. C'est pas un beau jardin, ça? Bah si, hein. Si, 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 ça fait rêver, ça. Waouh. Pendant qu'on y est, je peux pas résister. Je vous montre où il habite, le locataire qui ne paye pas son loyer, qui dit que le logement est insalubre. Il a une terrasse de plus de 100 mètres carrés. C'est un logement qui est tout refait à neuf. Une cuisine neuve, une salle de bain neuve. C'est un logement magnifique. Mais soi-disant, c'est insalubre. C'est pour ça qu'il ne paye pas son loyer. Je vous montre de loin. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on l'aura foutu dehors, je vous ferai une vidéo du logement en entier. Vous verrez comme c'est classe, quoi. Voilà, regardez, c'est en haut, là. Voilà. Vous voyez, là? Regardez toute la terrasse qu'il a, quoi. Ah ouais, double vitrage, tout ça. Ah ouais. Mais oui, ma petite Ruby, c'est de la racaille. La bonne racaille, ouais. C'est hallucinant comme les gens ont une tendance à me prendre pour un con. Comme si un mec comme moi, qui est propriétaire bailleur de plusieurs logements, il va louer un logement insalubre. C'est sûr, je suis tellement con, je vais avoir un logement insalubre. Risquer d'avoir des problèmes avec la police et tout le bordel. Mais il me prend vraiment pour un con, cette racaille. Tiens, connard! Carre-toi ça dans le cul et paye ton loyer si tu regardes cette vidéo! FDP! Connard! Connard! Racaille! Racaille! Voilà, bonne racaille de merde, là. Voilà, un an de loyer, racaille pourrie. Je vais le défoncer en vidéo, je vais le finir dans tous les sens, dans tous les angles, je vais le finir. Je vais le finir, je vais le défoncer. Sur internet, il est mort. Bonne racaille de merde. Allez, on se calme, on respire. Voilà. Regardez ce petit bananier. C'est beau ça aussi. Hein. Là, je les ai replantés. Dès qu'il pleut, un bananier, c'est increvable en fait. Hein. C'est incroyable. Et regardez au potager, les amis. C'est là que il faut ouvrir ses yeux. C'est juste magnifique. Ta 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 ta. Ouais, j'adore ce petit coin là. Et là, normalement, on a le soleil dans la gueule. C'est pas grave. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Regardez ce que j'ai découvert ce matin. Là. Vous voyez là? Magnifique, hein? Ben ça y est, c'est pris. C'est pris, c'est pris. C'est bon. La nature va faire son job. Oh là là! C'est parti les amis. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Regardez les fraises aussi là-bas. Très important les fraises. Désolé pour l'ombre, c'est le soleil.
Et je filme le matin. Voilà, les fraises, c'est pareil, elles explosent les fraises. Oh là là. Alors par contre, j'avais tondu l'herbe. Eh ben, il n'y a plus qu'à recommencer. Oh, regardez ça. Vous voyez là? Ça, c'est du raisin. C'est trop beau le raisin. Je suis vraiment désolé pour l'ombre. Hein. Le soleil est pas encore très haut. Ça, c'est du bébé raisin. Il y en a vraiment beaucoup. Allez, on va aller voir les cerises maintenant. Parce que c'est le temps des cerises. La 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 la. Eh oui, c'est le temps des cerises. Elles sont où les cerises? Oh là là, pas mal. Ah ben c'est pareil, des cerises, va y en avoir. Va y en avoir. Oh là là, voilà. Ah, elles sont bonnes celles-là en plus. Oh là là, impeccable. Ah, il y a un peu de vent, ça m'embête. Là, de ce côté-là, on a quoi? On a les tomates. Voilà. Eh ben ici aussi, ça pousse. Oh là, mais il a bien plu, hein. On est sur Angoulême, il a vraiment bien plu. Oh là là. Ça, c'est un truc de fou, cette histoire. Ben, ça prend, ça pousse, hein. Ça pousse. Allez voir les abricotiers. Enfin, les abricotiers. J'ai un abricotier. Et j'espère que je vais avoir des abricots. Par contre, toutes les prunes, elles sont tombées par terre. Il y a eu du vent hier. Par contre, soi-disant, aujourd'hui, il devait pleuvoir. Au niveau de la météo, vous n'êtes pas trop bon parce qu'il y a grand soleil. Tant mieux, tu vas me dire. Peut-être qu'on pourra faire un barbecue ce soir. Ça, c'est sûr. Enfin, ce soir, on sera sûrement prononciation. Vous savez pourquoi j'ai des problèmes de prononciation comme ça? Parce qu'il me manque une dent là. Eh oui! À cause de la racaille de la voyoucratie qui m'a mis en prison pour rien. Oui! T'inquiète pas mec, j'ai la bendetta. Tu connais la bendetta? J'oublie jamais rien moi, jamais. Mon animal totem c'est l'éléphant. Si tu me fais une crasse, je t'oublie pas. Eh oui! Le clerc de huissier de herde. Jamais je t'oublierai toi. La bonne racaille. Ah, cette bonne pourriture. Et oui, il me manque une dent à cause d'eux. C'était la dent de l'humiliation. Comme j'ai été humilié, elle est tombée. Vous le saurez, je vous apprends des choses. J'essaie de vous apprendre des choses. Oh là, l'opération Flamby, ça m'a brassé hier. Là, la vidéo, elle est un peu décousue aujourd'hui, mais c'est beau quand même. C'est sympa. Regardez, c'est la nature. C'est pas beau, ça? Magnifique. On est parti voir les abricotiers, les amis. Enfin, les abricotiers. Là, j'ai un olivier. Et là, j'ai un abricotier, effectivement. Là, il y a un autre cerisier. Ah ben voilà, on va avoir des abricotiers. Oui, il va y en avoir. Je sais pas si on les voit bien là. Voilà. Si, il va y en avoir. Impeccable. Là, il y a ma lavande. Qui va peut-être fleurir en son temps. Et là, l'olivier, il a explosé le game. Il va toucher le ciel. Oh là là. Et là, juste ici, j'ai un mûrier platane. Alors, un mûrier platane, c'est vraiment magnifique. Parce que ça donne des mûres. Ah, j'entends un bruit. Est-ce que ça serait Maître Quentin? Peut-être. Maître? Non. Mûrier platane, type platanus. C'est pas dit, c'est qu'en ce moment, j'héberge un huissier de justesse. Un jeune huissier de justice. Et du coup, on va pouvoir faire des challenges, comme le challenge Flamby. Hein. Je croyais que c'était lui, mais c'est pas lui. On va continuer la vidéo au calme. Ah si, c'est lui. Maître, vous allez bien? Voulez-vous passer devant la caméra, maître, dire un petit bonjour aux abonnés? Salut à tous! Voilà, en chair et en os, huissier de justesse! J'espère qu'il va pas me préparer des challenges encore bizarres et tout, parce que c'est au niveau de la digestion, là, pas facile. Ça va être compliqué. Quoi. Ça va être compliqué. Mais comme vous l'aimez bien, mettez des likes. Donc, comme Maître Quentin est arrivé, on va lui faire un petit déjeuner au calme, aux terrasses d'Angoulême. Parce que Maître Quentin avait énormément de travail, voilà. Je sais pas, j'espère qu'il n'y aura pas encore des autres concours de Flamby. S'il y a plus de 50 likes, il y aura encore des concours à la con. Mais ça va, on n'est que à 45 likes.
Oui, il faut faire attention à mon foie et à mon estomac. Voilà, non, non, mais ce matin, c'est violent. Un petit thé vert, maître. Oui, s'il vous plaît. Quel talent. Je vais me poser pour terminer cette vidéo en compagnie de maître Quentin, qui, je lui ai servi un petit thé, il est à fond dans son travail. Il travaille beaucoup, apparemment, lui, c'est juste, c'est vraiment un vrai travail. Maître, un petit bout de gâteau. Regardez mon gâteau au chocolat. Eh oui. Ouais, ce sera bon, juste les petits... Juste les, ouais. les... Alors, on dit chocolatine ici, maître. Hein, ouais, on est dans le... Ouais, oui, pareil. Donc, ce maître Quentin est du sud-ouest aussi, hein, du département d'à côté. Voilà. Ah, c'est pas facile. Ah, vous aimez les chats, maître? Ouais, ça va. C'est une très belle bête. Voilà. Quelle histoire. Alors oui, alors on se pose au KLM, oui, pour parler de cette racaille de locataires qui ne paye pas son loyer. J'en ai longuement parlé avec maître Quentin. En fait, je pense que si le juge a repoussé 3 fois l'audience, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre dehors, parce que c'est le 1er juin que la racaille de cassos de locataires qui ne payent pas leur loyer, dehors, un mètre. Ah bah... Ah ouais, mais ça, c'est des gens de la gauche, ça. Il faut que ça paye. Hein. Faut que ça paye. Mais c'est les gens de la gauche. Et moi, je suis quoi, moi? Je suis quoi, moi? Je suis un enculé de droite. Bah, je crois que je suis un enculé de droite, en fait. Parce qu'en fait, j'ai un copain qui est de la gauche et qui m'explique que la racaille, elle est de droite. Donc moi, je lui explique que la racaille, elle est de gauche. Du coup, j'ai pas trop bien compris la différence entre la droite et la gauche. Mais juste que comme il m'a collé une étiquette, je lui en ai collé une. Tu vois, je suis un bon français, en fait. Il y en a là-dedans. Je n'ai pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau. Un mètre. Ah, mais ça... Est-ce que vous pouvez faire une attestation pour ça? Pour les deux? Pour les deux. C'est combien, le PV d'assemblée? Ah, ça, c'est secret, ça. Je peux pas le divulguer. On ne parle pas d'argent ici aux terrasses d'Angoulême, on est au calme. Non, non, on est tranquille. Est-ce que vous voulez une orange, les abonnés? Voilà. Alors ça, c'est fait avec une imprimante 3D, je le redis, site LV3D officiel, lien dans la description. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de LV3D officiel, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent sur LV3D officiel, notamment des vidéos avec la MakerPi P2, et une nouvelle vidéo qui arrive, la MakerPi P2 Pro. Donc vraiment, faut pas louper ça. C'est une imprimante 3D double extrudeur. Et ça, c'est carrément 20 en maths direct. Direct. 20 en maths. Direct. Là, il n'y a pas 20. 20 sur 20. Moi, je mets les notes, moi. Ouais, la famille. Juste une mise au point pour ceux qui ont dit hier dans le live, qui ont écrit des commentaires désagréables en disant « Ouais, Karl, l'histoire des flambis, non, t'es juste complètement bourré. » Comment on peut être complètement bourré en buvant 2 verres de vin? Parce que j'ai bien en compris, complètement. 2 verres de vin, t'es pas complètement bourré. Hein. Surtout quand tu fais 91 kilos, que t'es badass, que tu fais 1m78 au garrot. Et je veux pas entendre, c'est de la graisse, hein. C'est du muscle. C'est comme ça, c'est pas des cheveux blancs. C'est quoi ça, hein? C'est des reflets blonds, voilà. Ah, c'est pas facile. Hein. Ah, moi, je me prends un petit thé entre gens de bonne compagnie, voilà. Puis on va continuer la vidéo, au calme. Bon là, je fais des petits pains au chocolat maison, voilà. Voilà pour maître Quentin. Oh, ben, il faut soigner les clients. Attendez, vous croyez que ça se passe comment? Là, on se prend un petit thé en famille. Ah, c'est pas facile, la famille. Hein. Alors, et puis, je voulais vous dire un autre truc. Puisque la vidéo, c'est mise au point. Hein. C'est potager, mise au point, nanana. Je voulais vous dire un autre truc pendant que je vous ai là, qu'on est ensemble. On est bien sur la chaîne de Karlaxy, on est au calme. Je voulais vous dire un autre truc. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des vidéos ouverture de cartes Pokémon? Parce que apparemment, la carte Pokémon paye dans le game. On peut gagner masse d'argent. Et ça paye mieux que... Qu'est-ce que je vous dis d'acheter comme action généralement? Du XRP. Ou du Litecoin. Ou de l'Ethereum. Enfin, de la crypto-monnaie, quoi. C'est mieux que l'euro, hein, la crypto-monnaie. Arrêtez de rêver de dire, mais Karl, tu nous fais une vidéo épargne ou quoi? Non, je te fais une vidéo vérité. Mais vous voulez pas des vidéos vérité sur des sujets précis. Donc, je fais des vidéos mises au point et je balance des petites vérités comme ça, insidieusement. Tu vois? Comme le masque, c'est très bien. Le coronavirus, c'est vrai, bien sûr. Le nouvel ordre mondial, c'est des complotistes.
Évidemment, il faut se faire vacciner. J'insiste, c'est important le vaccin. Faites-vous vacciner. Et puis surtout, faites-vous contrôler avec le passeport vaccinal. C'est important, j'y tiens et j'insiste. Si on a envie de voyager, la famille, il faut absolument se faire vacciner. Et c'est magique, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, j'adore être dans un pays libre et j'apprécie cette liberté. Et je me fais vacciner pour ça, d'ailleurs. Voilà, et puis autre chose dans la mise au point, j'avais demandé à Tony De Favori et Clara Nicolet un acte de paix, puisque le drapeau blanc était sorti, le drapeau de la paix, puisque je suis acteur de la paix, et il avait répondu sous la vidéo, je vais t'envoyer un mail, Karl, j'ai toujours pas reçu le mail. Voilà, donc est-ce que c'est normal, ça aussi, posons-nous la sainte question, est-ce normalus ? En latin. Du coup, tu as fait un peu de latin, maître ? Non, du tout. Non. Mais c'est quoi cette école de huissier, là ? On ne fait pas de latin ? Ah, du grec ! Vous faites du grec, maintenant ? Moi, Mikos créole couramment, moi. Réunionnais. Toi, non. Mais du coup, non. Voilà, bon, bah, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner à la chaîne de Carlaxy 1, Carlaxy 2 et LV3D officiel, parce qu'il y a des vidéos impression 3D qui arrivent. On va vous faire de très belles choses. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. Quelle vie de folie.